On nous demande de calculer le nombre de moles de glucose qu'on peut trouver dans un échantillon de 1,52 kg de glucose. Alors comme toujours, commence par faire pause sur la vidéo et voir si tu as une idée de ce que tu dois faire, probablement en utilisant ce tableau périodique. Bien, alors la première chose, c'est de comprendre ce qu'est une mole. Le mot « mole » a le même rôle que le mot « douzaine ». Si je te dis tu as une douzaine de ballons, tu sais qu'il y a 12 ballons. Si je te dis qu'il y a une mole de ballons, tu sais qu'il y a 6,02 fois 10 exposant 23 ballons, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro, 600 000 milliards de ballons. Bien sûr, on ne parle de mole que quand il s'agit de molécules ou d'atomes, car ils sont minuscules et incroyablement légers. Bref, on a 1,52 kg de notre molécule, le glucose. Donc, si on parvient à savoir combien une mole de glucose pèse, on pourra facilement dire combien de moles on a dans 1,52 kg. Il nous suffira de diviser la masse de notre échantillon par la masse d'une mole pour savoir combien de moles se trouvent dans notre échantillon. Alors, la masse molaire du glucose. On voit que la formule du glucose est C6H12O6. Une molécule de glucose est donc constituée de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. En fait, elle ressemble à ceci. On voit les atomes de carbone en noir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les atomes d'hydrogène sont en blanc. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, et il y a 6 atomes d'oxygène représentés par ces boules rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire que si je prends une mole de glucose, j'aurai 6 moles de carbone, 12 moles d'hydrogène et 6 moles d'oxygène. Et ça m'arrange, car je sais combien pèse une mole de chacun de ces éléments, je trouve cela dans le tableau périodique. Souviens-toi, cette valeur-ci, le 12,01, a plusieurs significations selon le point de vue. C'est la masse atomique moyenne d'un atome de carbone en unité de masse atomique, mais c'est aussi la masse d'une mole de carbone. Donc si je prends 600 000 milliards d'atomes de carbone, ça pèsera 12 grammes, ce qui s'appelle donc la masse molaire du carbone. Et donc, allons-y. La masse molaire du carbone est de 12,01 g pour une mole. Celle de l'hydrogène de 1,008 g pour une mole et celle de l'oxygène de 16,00 g pour une mole. Donc la masse d'une mole de glucose, sa masse molaire, sera 6 fois la masse molaire du carbone, plus 12 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Ça nous fait donc 6 fois 12,01 plus 12 fois 1,008 plus 6 fois 16. Et donc, avec l'aide de la calculatrice, on obtient 6 fois 12,01 plus 12 fois 1,008 plus 6 fois 16. Ah, combien de chiffres significatifs? La masse molaire de l'hydrogène est précise jusqu'au millième, mais celle des deux autres seulement jusqu'au centième. Ça n'a donc pas de sens d'aller plus précisément que le centième. Notre réponse est donc 180,16 g pour une mole de glucose. On a donc trouvé qu'à chaque fois qu'on a 180,16 g de glucose, on a une mole de glucose. Et combien de grammes a-t-on dans notre échantillon ? 1,52 kg, en se souvenant que kilo veut dire fois 1000, notre échantillon contient 1,52, j'écris fois 1000 au lieu de kilo, et encore grammes. Donc 1,52 fois 1000 grammes, 1520 grammes de glucose. Quand on se demande combien de paquets de 180,16 grammes y a-t-il dans 1520 grammes, on doit diviser 1520 par 180,16. On va donc ici diviser la masse de notre échantillon par la masse molaire du glucose. On peut aussi le vérifier avec les unités qui sont nos amis. On cherche un nombre de moles, on a des grammes de glucose, et notre masse molaire est exprimée en grammes par mole. Donc si on multiplie la masse de glucose en grammes par l'inverse de la masse molaire, donc en moles par gramme, on obtiendra bien des moles. Alors ça donne le nombre de moles, c'est la masse de glucose fois l'inverse de la masse molaire, 1520 grammes fois 1 mole sur 180,16 grammes. La calculatrice nous dit que 1520 divisé par 180,16, c'est à combien de chiffres significatifs? On en a 3 pour notre masse et 5 pour la masse molaire. On va donc arrondir à 3 chiffres significatifs. Donc on a 8,44. Et quelles unités? Les grammes s'éliminent, il nous reste donc des moles de glucose. Et voilà, dans notre échantillon, il y a 8,44 moles de glucose. On a trouvé le nombre de moles dans l'échantillon en divisant la masse de l'échantillon par la masse molaire de ce qui constitue l'échantillon.